Je tiens à rappeler que on a trouvé quatre victimes. L'une dans une baignoire, puis on a découvert le locataire en titre de l'appartement à la baignoire, mais on a fait une découverte supplémentaire au moment où on a exhumé ce deuxième corps. Il y avait un troisième corps avec lui, coupé en morceaux. Et puis, il y a une dizaine de jours, on vient de découvrir le quatrième cadavre. Ce qui angoisse sans doute autant les enquêteurs que moi, c'est y en avait-il d'autres? Et par contre, ce dont je suis absolument certain, c'est que la prochaine victime, ça aurait été mon client. Et qui, heureusement pour lui, la police a mis fin à cette macabre série en mettant la main dessus. Ça lui a sauvé la vie. Le surnommé Titi, auquel mon client faisait confiance et aux ordres duquel tout le monde était absolument contraint d'obéir sans discussion. Un homme qui cherchait à se faire passer pour le big boss de la criminalité dans Niort, ce qu'il a déjà parfaitement réussi. Et je crains que il s'agisse d'une série de crimes, en réalité, du quart monde qui vit dans notre société, à notre voisinage.